C'est très beau. Non, c'est vraiment magnifique. Isolé et difficile d'accès, le site de Tierra Dentro rassemble une centaine de chambres funéraires datées du 9e au 12e siècle. Les hypogées sont formées par un puits avec des escaliers en spirale qui mènent jusqu'à l'entrée de la chambre funéraire. Ils ont été taillés dans le tuf, une roche volcanique semi-dure. La chambre est généralement composée de niches latérales et de pilastres. Dans les plus grandes tombes, le plafond de l'édifice peut être soutenu par deux ou trois colonnes. Les murs, les colonnes et les plafonds des chambres mortuaires sont souvent décorés de dessins représentant des formes géométriques, anthropomorphiques et zoomorphiques, à l'aide de pigments naturels rouge et noir sur fond blanc. La symétrie entre les maisons des vivants au-dessus du sol et les hypogées pour les morts sous le sol évoque l'importance de la nouvelle étape dans laquelle le défunt est entré, ainsi que la continuité entre la vie et la mort, entre les vivants et leurs ancêtres. Elle témoigne de la complexité sociale et de la richesse culturelle de cette société préhispanique du nord des Andes. Emmanuel filme et Michel filme Emmanuel. C'est juste deux pas en avant. Un petit pas. Capté. Ça revient un petit peu. Tu vois, j'ai eu la chance. C'est l'original. Pica piedras. El área arqueológica de San Agustín es de 2.114 kilómetros cuadrados. Alors,
Le terrain, il est de 2114 000 kilomètres carrés. Voilà. Lo más antiguo está 3300 años antes de Cristo, pero como recolectores, como cazadores. Ils sont arrivés il y a 3300 avant de Jésus-Christ comme des chasseurs. Hay evidencias arqueológicas que cultivan la tierra 2500 años antes de Cristo. Et les premières preuves qu'ils ont labouré la terre, c'est 2000 avant de Christ. Trabajos en madera aparecen en el año 600 antes de Cristo. Et les premiers travaux en bois 600 années avant de Christ. Comienzan a trabajar la piedra volcánica 200 años antes de Cristo hasta el año 800, 900 después de Cristo y desaparece. Et ils commencent à travailler la pierre 200 avant le Christ jusqu'à 900 après. Et après, ils se disparaissent. Disparaissent. Pourquoi disparaît la culture? Possiblement un cambio climatique. On croit que c'est pour un changement climatique. Les premières notices écrites se donnent en el año de 1756. Et les premières preuves écrites. 1756, les premières preuves écrites pour les Espagnols. Diarrea. Sí, sí. Ah, listo. Es tan fuerte el efecto que a usted le produce alucinación. Usted le puede llegar a ver forma y color al viento. Sí. Es muy fuerte. Eso es el sonido clave. Entonces, ¿qué encuentro? Que...
Cuadro, vamos a pintar un cuadro con tierras, con vegetales. Uh-huh. ¿Listo? Uh-huh. Vamos entonces. Todo. Tuve que dejarlo todo. Ah, sí. Vamos a buscar una. Ah, sí, buh. Ah, sí. Listo. Sí, sí a esto. Que saque un poquito, Gerea. No cualquier. No, cualquier. Ah. Ni por en tiras. Okay. Estamos por la paleta. Okay. 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 Mi paleta. Sí, mi paleta. Il a pris de la terre. Listo? Si. Ok. Et nosotros no tenemos nieve. Mais en plus, que c'est trop blanc alors. C'est trop blanc, c'est parce que sinon c'est trop de. Ça a l'air d'être de neige. Un petit peu de verre, un petit peu de verdure. Non, du bleu, je sais pas. Ah oui, oui. Non, c'est bien. Je pense que ce que je vois même pas quand tu. Non, parce que j'enregistre aussi là-dessus. Ah, là aussi. Ah bon, c'est bien. Les paroles. Oui, je me demande qu'est-ce qui vous manque là pour le faire. Es que esta tierra es buena, ¿sabes por qué? Porque es excremento de lombriz, o sea, tierra procesada por la lombriz. Entonces puede girar mucho mejor. Mira, un color más fuerte. Yo creo que necesitamos un rojo. Será con este. ¿Cómo se llama? Con achote. Ah, pero achote, ¿a dónde? En el estrecho. ¿Es un rojo o un poco vino? Vino, sí, un vino tinto, es sí. Con mora. Ah,